Donc le nautique pour Placemore, bah, c'est un grand rendez-vous important puisque Placemore pratique la vente directe, c'est-à-dire que pour avoir des prix les plus intéressants possibles, on essaye d'avoir une chaîne la plus courte possible, c'est-à-dire qu'on fabrique nos bateaux bien évidemment, on les invente nous-mêmes et on les distribue, on les vend en direct. Donc il faut bien que le public voit nos bateaux et pour nous le nautique c'est l'occasion inespérée de voir, c'est presque 100 000 personnes je crois ou 120 000 personnes, je ne sais plus, qui visitent ce salon, donc c'est vraiment très important. Les nouveautés du salon, c'est à la fois notre bateau 50 de randonnée qu'on appelle le Triaskel, donc qui est un bateau très original et qui est aménagé de façon un petit peu différente de ce qu'il était l'année dernière. Sur nos bateaux transportables, nos voiliers transportables et Skellig, c'est des équipements différents. On propose deux types de versions. Une version sur, en particulier sur le Skellig 1 avec plus de bois, et une version sur le Skellig 2 plus boostée entre guillemets, c'est-à-dire avec un gène à cœur, etc. Et pour notre gamme kayak, puisque Placemore fait trois gammes, donc le voilier de voyage, le Triaskel, les voiliers transportables, les Skellig et les kayaks de mer. Et en kayak de mer, on a une nouveauté qui s'appelle le K16, donc est un bateau de randonnée mer, un kayak de randonnée mer, qui fait 4,80 m par 60 de large, donc un bateau relativement stable, assez original, très agréable, très facile à manœuvrer, assez original. Alors, année 2011 pour Placemore, c'est une année de transition, c'est-à-dire qu'on a connu la crise, bien évidemment, comme tous les chantiers navals, il y a 2 ans. Et l'année 2011 a montré, et ça c'est très, ça nous rend optimistes, a montré que le chiffre d'affaires redémarrait et qu'on était reparti pour retrouver des chiffres des années précédentes. Alors ça va être une remontée lente, mais on a touché le fond et là on repart d'un bon pied et ça devrait aller.